Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce samedi 20 février 2021, direction l'hippodrome de Cannes-sur-Mer pour le prix de Sainte-Maxime, quatrième course de la Réunion 1, où 16 galopeurs âgés de 5 ans et plus en découdront aux alentours de 15h15. Lors de ce gros handicap disputé sur le parcours des 1600 mètres de la piste en sable fibré de Cannes-sur-Mer, il faudra encore élargir ses combinaisons. En effet, beaucoup de compétiteurs peuvent prétendre au sacre lors de cette course bien plus ouverte qu'il n'y paraît, où l'aptitude au sable devrait une nouvelle fois faire la différence. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 4, El Caliente. Il dépend du redoutable entraînement d'Henri-Alex Pantal, ce qui est toujours un plus à Cannes-sur-Mer. Associé à Pierre-Charles Boudot pour la circonstance, c'est logiquement la chaleur dans l'entourage. En deuxième choix, le numéro 2, Gris d'Argent. Nous l'aimons beaucoup et pensons qu'il peut encore prétendre au succès dans cette épreuve. Déjà vainqueur de ce tournoi en 2019, l'entourage est logiquement très chaud. En troisième choix, retrouvons le numéro 3, Mille Sabords. On le suit depuis le début de sa carrière et on l'aime bien. Prêt à une valeur lui offrant une toute bonne chance ici en 37, il peut logiquement faire le show. En quatrième position viendra le numéro 10, Devana Fucci. Il a de belles qualités et s'entend bien avec son pilote, Julien Guillochon. Si le parcours lui est favorable, il doit conclure dans les 4. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 13, On The Sea. C'est un cheval de classe qui dispose d'un bon rush final pour cette catégorie. Dans ce lot, il est largement capable de terminer à l'une des 5 premières places. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 8, French Pegasus. Il a changé d'entraînement après sa dernière tentative à réclamer. S'il est bien aujourd'hui, il peut largement espérer faire sensation pour sa première sortie sous l'entraînement de Frédéric Rossi. En avant-dernier choix, le numéro 5, As to Trike. Anthony Krastus sera le partenaire de ce pensionnaire de Gina Raric qui a les moyens de terminer dans les 5 premiers. À lui de faire la différence à ses commandes. Pour clôturer notre pronostic, retenons le numéro 11, Singa Sumi. Hugo Journiac sera sur le dos de ce représentant de l'entraînement de Didier Prodhomme et c'est logiquement avec une grande confiance qu'il compte lui donner un parcours limpide pour participer à l'arrivée. En cas de non-partant, le numéro 1, l'Arnaud, associé à un jockey de grande expérience en la personne de Gérald Mossé, introduirait alors notre prono en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1€ sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, jeudi, Top Prono indique une nouvelle fois le tiercé quarté quintet plus dans le désordre pour un rapport malheureusement pas très important. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'infos complémentaires sur l'abonnement VIP, pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP turf-fr.com.